Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Battlefront pour faire quelques petites astuces sur les modes de jeu. Alors c'est parti. Juste je vais regarder quelque chose. Alors donc on va aller en escarmouche. Traduire. Pas traduit héros. Donc voilà, on est parti. J'espère que sabotage il y en aura. Ah ouais, nickel. Parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça le sabotage, j'en ai moi. Donc, alors, déjà, juste première astuce, essayez de télécharger l'application Battlefront Compagnon. Je crois que c'est comme ça. Ouais, ou Battlefront. Comme ça, vous pourrez voir plus facilement sans accéder au menu directement. Vous pourrez acheter des cartes sans avoir allumé votre console ou votre plateforme. Et vous pourrez accéder ou personnaliser vos skins et tout. Là, 15 éliminations avec le pistolet d'éclaireur. Alors, allez, c'est parti. Rebelle en vue. Donc c'est parti. Donc déjà concentrez-vous sur l'objectif. Dans Battlefront, presque toutes les actions rapportent de l'XP. Empire Galactique. Voilà par exemple. Neutralisez cette charge. Là il y avait Chewbacca. Présence hostile sur place. Yeah.
là, je vais vous montrer un peu, vous voyez mon skin. Voyez, regardez tellement ça en valeur. Qu'en fait, c'est vous concentrer. Donc, si vous avez les DLC, vous concentrez aussi sur les contrats hot. Ne pas gaspiller son argent bêtement. Bah ouais. Ça paraît normal par exemple. N'achetez pas des charges parce que oui, les charges ça peut s'acheter mais ça peut se trouver. Regardez. Ça par exemple c'est un icône qui veut dire there is une charge, donc pas très bien ça. Explosif désactivé. Tenez vos positions. Donc là par exemple j'allume mon téléphone de compagnon et je regarde mes contrats HUD. Pour avoir le pistolieur. Ils sont plus effectifs que nous. Alors, pour avoir le pistolieur, il faut 15 éliminations avec le pistolet éclaireur et le pistolet DLT 18. Donc ok, bon, par exemple la sécurité. Alors ça c'est en mode sabotage. Protégez les générateurs de gaz d'Ibana. Alors activez 5 générateurs dans sabotage. Désactivez 5 générateurs dans sabotage. Donc en gros il faut faire du sabotage des deux côtés. Là, vous voyez, on va faire la chute. Ne pas aussi appuyer sur l'argent pour un skin qu'on veut absolument depuis 3 jours. Continue. Là en fait je suis en train d'accomplir des quêtes de contrats.
Il faut que j'aille au générateur. L'alliance sera bientôt à court de temps. Tenez vos positions encore quelques instants. Ok, je prends. Voilà. Alors voilà, donc comme vous pouvez voir, je fais un, ouais, un score so-so quoi, hein, mais bon. Donc là par exemple, on va voir, on va aller sur Stellaire. Bien avancer sur ça. Grenadier. Il manque encore 17 éliminations avec une grenade impact, donc la grenade que j'ai actuellement. Par contre, faites des mines spéciales ou des mains, je sais pas comment ça se dit. Spécial contre Arret. Le contre Arret, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque vous allez dans le menu, quoi, vous avez déverrouillage, collection, déverrouillage. Ouais, je sais plus quoi. Donc, bref, vous allez dessus. Normalement, il y a contrat de Jabba. Il faut acheter les contrats HUT. Généralement, ça tourne entre les 1000 et 7000, je dirais, crédit, je sais pas quoi là. Et donc, voilà. Vous pourrez avoir des cartes des étoiles, des trucs spéciaux. Des cartes des étoiles quoi, et des trucs là où il y a marqué maintenir avec triangle. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Bah pas gratuitement, mais vous l'aurez quoi. Par contre, soit pour faire des quêtes, par exemple, désactiver 5 générateurs de sabotage. Voilà. Par contre, les cartes ne sont pas à déverrouiller dans les contrats et détruire les générateurs de gaz Kibana. Nos vaisseaux ne peuvent pas quitter le secteur tant que ce rayon tracteur est opérationnel. Donc là...
N'hésitez pas vraiment à utiliser vos cartes des étoiles. Et utiliser les super bonus. Donc les super bonus, c'est ce que je viens de trouver actuellement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a une arme qui s'appelle la Bio Rifle CJ9. La minuterie est activée. Faites en sorte qu'elle le reste. Il y a une arme qui s'appelle la Bio Rifle CJ9. Donc pour l'avoir, faut tuer quelqu'un qui l'a. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas essayer de l'acheter avec de l'argent réel. Ça ne marche pas. Tout simplement. Donc ça, comme je vous dis, c'est une charge. Avec ce mot. Là, on va réessayer. Ils ont l'avantage de l'ombre. Faites gaffe. Voilà. Donc. Que la force soit avec nous. L'objectif a été avancé. Et voilà, alors aussi prenez les. Si vous trouvez, prenez les super bonus avec des vaisseaux. Oh là, booster, bon ça va. Allez. Nous avons détruit leur générateur de gaz Tibana. Maintenant, partons les chiffres. Attendu quoi. Plus que quelques instants à tenir. Pensez au départ partenaire, ça c'est important aussi. Donc en fait c'est un départ où... des petits modes pour gérer plein de charges. Mmh.
bien vos objectifs. Ça vous fera gagner plein de bonus. Aussi, prenez les vaisseaux. L'équipe d'extraction est en route. Accrochez-vous. Améliorer les cartes quand vous avez de l'argent, mais pas juste ce qu'il faut. Vous n'avez pas forcément de pépites. Acheter les DLC, je vous conseille, comme ça, ça vous fait des armes en plus. Et pour les trucs et astuces, je crois que c'est à peu près ça. Bah, allez, je vous laisse d'améliorer le gameplay.